Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce tout premier épisode du Let's Play Rayman 3 sur GameCube. Alors, le titre exact c'est Hoodlum Havoc, je sais pas ce que ça veut dire. Donc oui, vous l'avez compris, j'ai trouvé mon Let's Play avec mon HDPVR, je suis actuellement en train d'enregistrer. C'est un peu normal, sinon je vous parlerai pas, hein. Ce sera un peu bête. Donc voilà, alors ça fait hyper longtemps que j'y ai pas joué. Je suis tombé sur ce jeu en allant sur dans un vieux magasin qui sont spécialisés dans les... Dans les anciens jeux. Je fais plein de trucs en même temps là, je m'excuse. Évidemment, il n'y a pas de minuscule là. Pourquoi Cyril? Parce qu'elle m'appelle Cyril, je pense que vous l'avez compris en voyant mon pseudo. Voilà. Si vous voyez ma tête, hein, j'ai un casque pour écouter et un casque pour enregistrer. Parce que j'ai deux trois petits problèmes encore. Ok, alors je balance, j'ai oublié ça, voilà. Ah, quoi, ça a eu de quoi faire. 4-5 ans, j'ai pas joué. Quand j'avais GameCube à l'époque, puis je sais pas où est-ce qu'il est passé ce jeu, puis je l'ai vu, il était à quoi, 19 francs. Je l'ai acheté directement, quoi. Je cherchais un autre, mais je l'ai pas trouvé. Peut-être pour un prochain Let's Play, l'autre. Je vous dis pas lequel c'est, mais on verra peut-être. Ouais, sinon. Sauf si vous me demandez lequel c'était à quoi je pensais. Ah, quel souvenir. Alors ça, j'y ai pas joué hein, du tout. Je redécouvrais les contrôles en même temps que vous. Je me rappelle de lui. Petite grenouille volante. Oui. Ah, le méchant. Comment il s'appelle déjà celui-là? Je me rappelle plus. Trop longtemps. Voilà. Alors les petites boules rouges, c'est des Lums. Voilà. Lums, L-U-M-S. C'est comme ça. Il est tout nu. Ah, cela. Oh, je m'en rappelle. Ah, c'est méchant champi. Ah. Bon, vous voyez bien, la qualité est pas superbe, hein, je pense, parce que je vous rappelle que la Wii GameCube n'était pas formatée en HD. Alors, Rayman et Globox, voilà, alors, le gros nigo. Donc la qualité n'est pas extraordinaire parce que puisque c'est en 480, j'ai essayé de mettre le montage en 720. Est-ce que ça marche? Ça, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre les deux, je le mets quand même. Bref, c'est pas grave. Ah. Toujours le truc qu'on se demande, mais comment est-ce que les mains tiennent à lui? C'est toujours la question. La tête, les pieds et les mains. Ah non,
crois que la tête est collée au corps quand même. Rayman 3, Adam Havoc. Ha ha! Mon dieu, que des souvenirs. Nostalgie, nostalgie. Je sais pas si vous y avez déjà joué. Ouais, ouais, c'est voilà, le voilà, jeu. Monsieur Lam, ouais. Fin de la cinématique. Maintenant, c'est à toi de jouer. Bon, ça, c'est pas compliqué pour se déplacer, hein. Avec le boss, comme un omnigo. Ah, ce jeu était truffé d'humour, je m'en rappelle. On passait son temps à rigoler parce que c'est n'importe quoi, les trucs. Arrêtez de parler parce qu'il y a des trucs intéressants. C'est bon, je le fais ça. Je sais faire. On va pas tourner en rond pendant des heures. C'est à quoi choper une crise d'épilepsie. Bon, ok, t'as pas été trop mauvais. Pour la peine, je vais t'offrir ton premier saut en parachute. Yeah. Sans parachute. Hein? Non. 5 sur 5, score du niveau 100%. I am the best of the world. I am the best of the world. souvenir. Donc je pense qu'on va garder le même format de temps, hein, entre 20 et 25 minutes. Ça va, hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Hop, je déconne. T'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas. Ah. Non, le prends pas comme ça. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le manuel. Il y a tout là-dedans. Okay. Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là. Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Tu parles d'un scénario. Soudain, le trap. Entrez, transforme les lumes rouges en hoodlums. Le monde est en danger. Ah, voilà. Là, ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Ah, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus. Ah, t'as plus de source pour toi. Hop, hop, hop. En fait, j'ai oublié de te dire. Chacune de tes actions te rapporte des points. Tiens, regarde le compteur. Je vais te montrer. Pousse-toi, ma boule. Ah, voilà, c'est lorsque un tu marques des points, le panneau s'abaisse et tu passes en mode combo. C'est là que ça devient génial. Parce qu'en mode combo, tes actions valent beaucoup plus. Seulement, faut pas traîner, parce que le mode combo finit par disparaître si tu marques plus de points. Ah, dernier truc. Les points permettent d'acheter des niveaux cachés. Alors, essaye de faire le meilleur score. C'est pas le plus facile. Bon, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver deux ou trois trucs utiles. Tiens, là, ils disent que pour sauter, il faut utiliser la touche de saut. Sans blague, voilà une info. Et là, ils disent que pour frapper, il faut presser la touche de tir. Bravo. Non, sérieux, il y a vraiment des types qui ont payé pour écrire ça. Apparemment. Voilà. Ah, ces petits pieds, je m'en rappelle. Oh, j'ai loupé. Y a pas trop effet 3D. C'est vrai que c'était un des premiers jeux en 3D. Bon, les trucs rouges, ça me sert à rien. D'accord. Ok. Alors, c'était par là, je pense, ouais. Je préfère le gars qui veut absolument tout voir, tout redécouvrir, avoir tous les points. Faut pas exagérer non plus. On rappelle plus le temps de jeu de ça. Attends, trop mort de rire. Le manuel dit que tu peux faire de l'hélico avec tes cheveux. L'hélico avec tes cheveux, ils ont fumé ou quoi? C'est vrai que quand on y pense, ça c'est ça en fait. Ils sont complètement timbrés chez l'équipe d'Ariman. Ouais les gars, on va faire un type qui a les mains et les pieds détachés de son corps. D'accord. Il a les pieds et les mains détachés et il vole avec ses cheveux. Yeah. Allez les gars, repasse-moi un peu la coke. Je vais prendre une petite pièce, je me rappelle plus à quoi ça sert. Ah oui, les scores, bon, il y a des niveaux cachés, mais je n'ai même pas souvenir, j'en avais trouvé des niveaux cachés à l'époque où j'y jouais. Moi j'avais moins le style, hein. Regarde, je pense que depuis, je pense que mon niveau se sera amélioré. Si tu veux draguer, je te déconseille l'endroit. C'est rempli de vieilles filles complètement vieilles. C'est là qu'on aime. Oh,
Et ce manuel est vraiment épatant. Il explique que les interrupteurs servent à déclencher des mécanismes. Non mais franchement, qui a écrit cette... Manuel, ça commence à bien faire, tu veux te faire virer ou quoi? Eh, hey, un tonneau de jus de raisin qui se dépasse tout seul. Mais c'est la bonne globox. Change pas de pied. Youhou. Yeah man. Dites, on peut faire ça à trois. Ah mes mains. Des mains qui marchent sur les mains. Une dose. Pas de bonheur en début de jeu. Alors. Moi je dis que ça cache quelque Alors, chose. On laisse B, ça charge et on tire. Il tire de côté avec L et R. Wow. Ok, L c'est pour faire l'esquive. Ok, ok, ok. Les contrôles qui reviennent. Hein. Avec quand il n'y a pas joué pendant plusieurs années. Bonjour la nature. Petite fleur, comment t'appelles? Ah oui, Globox, c'est complètement débile, hein, je pense que... Tu me fais une petite place dans ta carapace? Mais pourquoi non? Tu passes l'aspirateur? On est pas bien, là? Ouais, donc il est quand même débile, hein, on va très clairement remarquer. Hein. Allumez la lumière, c'est beau. Eh ben tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants. Manuel, André, tu veux dire que le méchant s'appelle André? Respecte ton texte. André, d'accord. Non mais là, c'est plus possible. Après la 22, on m'avait promis un rôle d'artiste tourmenté qui trouvait l'amour avec une fille très... intelligente, oui, voilà. Bilan, je me retrouve à faire la mouche dans une série d'aigle. Désolé pour toi, hein. Mon dieu. Souvenir, souvenir. Combien? Un peu plus de 10 minutes, d'accord. Pas une seconde à perdre. Nous encore 10 petites minutes. Avant qu'il ne touche le cœur du monde. Le cœur du monde, si tu veux. Moi, je rage ton cœur, hey, si je veux. Regarde, un interrupteur. À tous les coups, il actionne un mécanisme. Yeah. Allez, frappe. Ah, ça aussi, c'était un truc de... Voilà. Sans toi, tu n'y serais jamais arrivé tout seul. Trop fort, yippie. Liberta. Si André triomphe, il pondra un Globox et il t'obligera à jouer de l'harmonica. Non. Et bon moment, pas l'harmonica. Extraordinaire. Anticonstitutionnellement extraordinaire. Yeah! It's unbelievable! Voilà. Manuel le... dit que tu peux lancer tes poissons de côté! L'auteur insiste! Ça doit être important! Ça, c'était des attaques qui sont très utiles, je me rappelle. André est là! Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je vais pas tenir longtemps. Oh. Appelez mon agent. Oh. Voilà. Ah, il est parti. Écoute ça, le nain jaune. Salut André. Une fois que j'aurai transformé l'énergie du cœur en eau de lumes, je reviendrai m'occuper de toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, oh, ce la lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Tenue de combat. Yeah. Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Ah non, Rayman, ça appartient aux Glooms. C'est peut-être dangereux. Les Glooms. La boîte à côté, est-ce que c'est vraiment le nom? Ouais. Les Hoodlums. Hood, H-O-O-D-L-U-M-S. Ah, c'est canette. Et voilà, un autre truc stupide. Ouais, il va trouver des canettes, il a pas d'ouvre boîte, mais il se dit, et quand il apprend ce qu'il y a dedans, bah, il se transforme en super-héros.
survie de tous les peuples en dépend. Vous alors, me dites, j'en plus qu'est-ce que ça fait ça exactement, mais bon. Bon, il a fini. Scorniou, 15. Bah. J'ai fait aussi nul que ça. À ce point-là. Merci. Vite, André se rapproche du cœur du monde. Non, combien de temps ça va durer? On ne rappelle plus du tout le temps du jeu. Je sais. Inutile de le dire. Il pouvait s'écracher n'importe où également. Je déconne. Mesdames et messieurs, une véritable araignée. Attention, te rate pas de pif. Mon dieu. Ah. Là, je ratais tout le temps. Voilà. Premier fail de la série, hein. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez pas faire un peu moins de bruit, non? Et la fée, va voir chez Zelda si j'y suis. Zelda. Hey, l'immonde André s'est caché dans le métro de la paroi. Emman, trouve-le. On rappelle plus comment ça marche les points, les vies. Examine bien partout. Ok, j'examine. Ah oui, faut trouver les feuilles. Je me souviens, faut trouver les feuilles. Je veux bien, tu te calmes. Voilà. Sinon les hautes lunes sont triomphées du monde de l'amour et de la beauté. Yeah. Moi ce que je veux, j'aime le monde où la terreur et le malheur s'étend sur le monde. Ah, le voilà. Le laisse pas s'échapper. C'est toi, Mario Deal. La ferme, toi. C'est qui Mario Deal? Je le sens, il est par là. Une voix de terre. Terriblement atroce. André m'a touché le cœur. C'est la fin du monde. C'est ça le talent d'acteur de celle qui a fait ça? C'est magnifique. Rayman, viens. Le manuel dit qu'on peut monter par ici. Eh, dis donc, je serais toi, je poserais ma démission et j'irais illico auditionner pour Spider-Man 2. Tu te ferais un max de thunes. Désolé, il y a le 3 qui vient de sortir. Enfin, qui vient. Pour un lapin. André se rapproche du cœur. Peut-être pour le 4, hein, voilà, me gratte, excusez-moi. Voilà. Ah. Lui, il a pas survécu à droite. Les petits bruits parce qu'on alors qu'on a absolument rien fait. Sens. André, ne va surtout pas entrer. Rattrape-le vite. Oui, oh. Oula, petit problème de contrôle. Hé, Rayman, je suis là. C'est les Gullbox. Non. Ah. Le problème numéro 1 du jeu. Vite comprendre.
C'est la principale. En fait, ce qui vient de passer là, c'est la. Le principal problème qui va définir le jeu, en gros. Hein. Vous allez tout de suite comprendre si vous l'avez... si vous connaissez pas l'aventure. Hein. Si vous connaissez, évidemment, on va tout de suite André, comprendre. Ça va être... Mais oui, André. Tout un coin de truc marrant. Demander aux moines. Ouh, cette musique. Ouh, souvenir. Oh mon le dieu. Cœur, c'est là que toutes les énergies du monde sont concentrées. Yeah. Apparemment, André y a pas touché. C'est bizarre. Disco. Yeah. Vous avez pas vu André? Ce qu'on m'a compris, il dit bah il en a fait qu'une bouchée, il l'a avalé. Sortez-moi d'ici! C'est ou ça. Je lui mords les tripes! Oh, bon idiot! Je m'en doutais! André, il est pas mort! On peut pas garder Globox près du cœur! C'est trop risqué! Rayman, Globox est ton ami. Alors, emmène-le auprès du guérisseur de la forêt. Je il saura comment éliminer André. D'accord. Donc voilà, en gros, bah il l'a avalé. On va, on doit trouver tous les moyens d'aller le sortir. Les noirs et sont des pervers. Il va sûrement refiler de sales habitudes à Globox. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Rayman 4. On rappelle plus s'il y en a un. Zéro. D'accord. Bah, on n'a rien fait. Tout sous de ma tête. C'est méchant ça. D'accord. Ah. Bon, alors, premier fail. Oh mon dieu, ces souvenirs! Tous les fails qu'on a fait. Vous vous souvenez pas que c'était aussi dur? Ah mince, bah ça saute tout seul et moi j'ai appuyé sur A comme un débile. Hein. Ok, y'a plus qu'à Gip D. Merci Globox. Je fail. Wow. Ah, les plaques qui tournent, ça je m'en rappelle. Ah, et tous ces dessins qui aident pas du tout niveau déplacement. Hein. Ça me rappelle aussi que c'était très troublant des fois. Ah, les plaques qui arrivent dans je sais pas où. Ah. Quoi ? Encore loin, le docteur ? Tais-toi, Globox. Heureusement qu'il n'y a pas des vies ici. Voilà. Ah non, même pas. Ah, peut-être que... Ouh, ça m'appelle. Le nombre de fois où je me suis raté comme un débile. Voilà. Hi-ha, 86. 4 étoiles, c'est pas mal. Donc voilà, bah je pense que ça va être suffisant pour aujourd'hui. Moi je vais en enregistrer un de suite, hein. C'est pas très tard par rapport à moi. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et au revoir tout le monde.